Salut Lucie. Est-ce que tu es libre demain? J'ai besoin de ton aide. Pour acheter un cadeau de Noël, pour ma sœur. Je ne sais pas si je suis libre demain. Je dois aider ma mère à préparer la dinde. À quelle heure veux-tu faire du shopping? Vers 10h. Peux-tu aller? Oui, je pense que je peux. Qu'est-ce que tu veux acheter pour ta sœur? Je veux lui acheter un sac à main. C'est parfait. Il y a des soldes chez Louis Vuitton. Et si on y va? C'est une bonne idée. Vas-tu aussi acheter quelque chose? Non. J'y suis allée il y a une semaine. J'ai acheté un sac à main pour ma mère. As-tu obtenu une réduction? Oui, 50% de réduction. Super. J'ai hâte d'y aller. D'accord, je viendrai chez toi demain vers 10h et ensuite nous irons au magasin ensemble. Ok, à demain, au revoir. Au revoir. Salut Charlotte, salut. Je te souhaite un joyeux Noël. À toi de même. Quel est ton plan pour Noël? Voudrais-tu venir chez moi et dîner avec moi? Bien sûr, j'aimerais venir dîner. Je suis libre ce soir, donc je peux vraiment y arriver. Peut-être nous pourrions préparer le dîner ensemble? J'adore cuisiner et je pense que c'est une bonne idée. Peut-être nous pouvons partager des recettes. As-tu des suggestions ce que nous pourrions préparer? J'ai une nouvelle recette. J'aimerais l'essayer. Est-ce que tu aimes la cuisine italienne? Oui, bien sûr, je l'aime, de tout mon cœur. Devrions-nous acheter du vin ou de la bière à boire au dîner? Bien sûr, le vin avec le dîner. C'est magnifique. Je préfère le vin blanc. Ok alors, je vais venir chez toi vers 18h30. D'accord, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bonjour Antoine, c'est moi, Juliette. Bonjour Juliette. Je voulais t'appeler pour te dire joyeux Noël à toi. Merci, ma chère, à toi de même. Alors, c'est quoi le plan pour aujourd'hui? Tu es allé chez tes parents? Ou tu es coincé, comme moi, à Paris? Moi, je suis en Bretagne, chez mes parents. Il neige et il fait très froid. J'adore les crêpes que maman me prépare chaque matin, c'est vraiment fantastique. Mais je suis vraiment triste pour toi. C'est toujours un calvaire de passer Noël tout seul. Essaye de rejoindre Marie et Mélanie, elles aussi, elles sont restées à Paris. Vous pouvez décorer le sapin ensemble. Et passez une agréable journée. Tu as de la chance. Et je trouve ton idée de cette soirée avec
Marie et Mélanie, plutôt intéressantes. C'est vrai que, ça fait quand même, un bon moment que, j'ai pas vu ces deux rigolotes. Elles me manquent beaucoup. Je les appellerai, pour voir, si elles n'ont rien de prévu, pour ce soir. Oui. Tu devrais vraiment faire ça, et, est-ce que tu as acheté, un sapin, et les décorations de Noël? Oui, j'ai acheté, un énorme sapin décoré, avec des guirlandes multicolores, et des boules dorées, et argentées. Le sapin est juste, trop beau. Et vous? Qu'est-ce que vous avez prévu, pour le dîner, de ce soir? Maman passe la journée à cuisiner, et, je t'assure, le menu est juste, fascinant. Pour l'entrée, elle a préparé, une salade niçoise. Ensuite, pour le plat principal, elle a mis au four, une dinde, bien dodue. Avec des patates rondes, qui l'entourent, pour décorer le tout. Au dessert, elle a prévu des tartes au citron. Et, comme touche finale, papa servira du vin rouge. C'est une bouteille, de la collection de grand-père. Je suis aux anges. J'aurais tellement aimé, être avec toi, tu m'as juste, ouvert appétit. L'année prochaine, tu n'as qu'à m'accompagner, tu ne le regretteras pas. Oh merci beaucoup, pour cette invitation. Je ne pourrai pas la refuser, c'est sûr. Bon alors, je te laisse. J'ai des préparations à faire. Encore une fois, joyeux Noël. Merci beaucoup, à toi aussi.